Ouellet, en direct. Radio X. De retour dans Ouellet en direct. Ça, ça m'a fait plaisir. Quand tu m'as envoyé la nouvelle, c'est toi qui m'as envoyé ça? Oui. Tu m'as appris que le mythique magazine Safarir allait faire un retour. Moi, Safarir, là, je te dirais que c'est dans mon époque. Là. Genre, j'ai regardé un peu là, les infos, là, genre début 1987. Oui, j'ai vu 87 à 2015, moi, comme dernière... 2016, moi, j'ai 2016, vu. 2016, oui, aussi, dans un... Oui, effectivement. Mais quand même, pour une bonne partie de son existence, c'était un magazine de Québec, ça. Je m'en souvenais, je l'avais comme oublié, mais en relisant, je fais, c'est vrai, ça venait d'ici, ça. Ça va être relancé et on jase avec, je pense, le maître d'œuvre un peu de cette histoire-là, qui est au bout du fil, Jean-Marie Corbeil, que vous connaissez aussi comme étant un humoriste et un comédien. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ben, ça va, comme ça peut, là. Oui, bien c'est sûr, on est dans une passe un peu particulière, mais écoute, en même temps, ça donne du... Je ne sais pas mal dire ça, mais moi, j'ai vu la pandémie comme du bullying, dans le sens où je ne me laisserais pas abattre par cette affaire-là. Ouais. Fait que j'ai été à l'encontre de ça. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Le magazine est toujours, est toujours à Québec. Hein. Louis Martin est toujours le propriétaire du magazine. Ah, okay. Il est basé à Québec. Et moi, je suis le rédacteur en chef, mais le magazine est toujours basé à Québec et j'en suis très fier d'ailleurs. OK, d'accord. Sais-tu quoi, Safarir, on va y revenir, parce que tant qu'à t'avoir au bout du fil, j'aimerais ça te jaser un peu quand même. Jean-Marie, t'es quand même une carrière, outre Safarir, tu sors pas de nulle part. Ça fait quand même des années qu'on te voit. Je sais que t'avais un show avec François Maranda. Corbeil et Maranda qui roulaient depuis quoi, 3 ans à peu près avant que la pandémie ouais. frappe. Est-ce que vous étiez encore en tournée avec ce show-là? Oui, tout à fait. C'est ça le pire pour nous, dans le sens où on était un peu underdog au début avec notre show, parce qu'on faut savoir que François et moi, on a produit notre show nous-mêmes. On a mis, écoute, nos bas, nos souliers, nos shorts. On s'est rasé pour on a mis du poil là-dedans. Mais on a mis là-dedans. Et le pari a été bon, le show roule très bien, c'est un beau show, c'est le fun, le public aime. Puis là, la pandémie est arrivée, ça s'est arrêté comme un accident de char, hein, comme tout le monde le sait, le 12 ouais. mars. Nous, on était en tournée de promotion en Gaspésie à ce moment-là pour annoncer des shows en avril. Alors, imaginez notre déception, on était à Chandler, on apprend ça à la radio, on revient de nuit, on est déçus. Puis là, écoute, on se demande... Moi, surtout, qui est un gars anxieux un peu, se demande comment faire pour se relever après. Il n'y a plus de tournée, donc il faut faire autre chose. Et là, ça m'a... Puis en ce sens-là, la pandémie a été pour moi presque positive, je dirais, malgré tous les aspects négatifs que ça comporte. Parce que ça m'a donné le goût de créer beaucoup plus et beaucoup plus vite. Là. Mais écoute, c'est... En fait, c'est probablement qu'on l'aurait pas pris personne, puis ça aurait été mieux, là, dans le sens où ton show ouais. aurait continué de rouler. Mais c'est pour ceux qui ont des fois ce besoin-là, là, je vais l'exprimer comme faux, mais tu sais, des fois, il y en a qui réagissent bien à des crises. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se revirer de bord, ouais. de foncer ailleurs ou d'adapter ce qu'ils faisaient, mais t'en as qui s'écrasent. Mais visiblement, vous autres, ça a été l'option 1, là, parce que j'ai regardé sur votre site, entre autres, corbeillemaranda.ca, puis vous avez, je sais que vous en faisiez avant aussi, mais vous êtes lancé dans les vidéos pas à peu près, là. Oui, on est venu un peu fou. En fait, ça, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai besoin d'un équilibre mental et c'est passé par... en fait, la panique m'a amené à écrire... on a du temps, hein, je peux parler. Ah, mais c'est vrai qu'on a du temps. Écoute, on a du temps. OK, parfait. Écoute, moi, là, je me suis réveillé un matin, là, j'ai dit, bon, ben qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai écrit une émission de 30 minutes qui s'appelle... Le drôle de monde de Jean-Marie Corbeil, que j'ai filmé tout seul, c'est une demi-heure de sketch que j'ai vendu à travers Eventbrite. Les gens achetaient ça, achetaient des billets, puis recevaient l'émission dans leur courriel un mois après. Puis là, ça a bien été cette affaire-là, puis je me suis dit, je vais aller plus loin, je vais écrire comme un genre de film à sketch. Ouais. On verra où ça va.
J'en parle à François. François, il dit, oh mon Dieu, je suis pas sûr, on devrait se donner du trouble-là. Mais moi, je me lève à 5h du matin, j'écris des sketchs avec un wish list de comédiens là-dedans. Il y avait quasiment pas le choix d'embarquer. Hein, t'sais. Non, il n'y avait pas le choix. Ben non, il n'y avait pas le choix. Fallait qu'il soit là. Fait que là, j'appelle Michel Courtemanche, Anne Casabonne, Luc Sonny, France Castel. Il y a ma fille qui joue là-dedans. Finalement, j'écris un film qui, à la base, allait être vendu à travers les billetteries de salles de spectacle. Parce que moi, mon idée était de continuer à faire vivre les salles de spectacle. Par le fait même, nous, en tant que Corbeil et Maradon, on continue d'exister. Alors, les gens achetaient un billet et recevaient dans leur courriel ce film-là. C'est un film complet, là. C'était pas 20 minutes. Oui, c'est là. Ça. Non, non, puis ça a tellement bien été parce que j'ai financé ce film-là moi-même aussi, dans le sens où j'ai approché des compagnies qui font du placement de produits dans le film. C'est-à-dire que il y a Corbeil qui est là, la cidrerie Michel Jaudoin, le clan Panton. Oui. Là, j'en oublie, ils sont 8 mais à peu près. T'as Guzzo là, qui présente le film? Oui, maintenant, mais à la base, là, c'était juste à travers les billetteries de salle de spectacle. Je comprends. Et après ça, le produit était tellement le fun que finalement, Guzzo a décidé de le distribuer dans ses salles de cinéma. Dès que le popcorn va être permis, on va être là. Oui, parce que là, je voyais les bandes-annonces, ça disait ça sortait en décembre. Là. D'après moi, c'est pas arrivé, ça. Là. Non, non, c'est ça. Là, ça va être... Écoute, avril, mai, mi-avril, quand ils vont ouvrir. On ne sait pas encore. Quand ils vont ouvrir. Mais ce qui est beau de ça, c'est que ça a été financé avec beaucoup de privés, puis une petite partie de la SODEC avec le fameux programme Innovant. Et le film a l'air d'avoir coûté 500 000 parce que ma conjointe est réalisatrice, donc elle avait plein de contacts pour des gens qui tournent sur des gros films, ben oui, qui sont venus tourner avec nous. Ça a donné un résultat extraordinaire. Fait qu'on ça a été un beau cadeau de pandémie, presque. Bon. Fait qu'on a réussi à s'en sortir avec ça quand même pas mal. Quand on a mis on a mis un petit teaser sur notre page pour dire qu'on te recevait ce soir, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il a sorti un autre film, il s'est pas dompté avec Papa est devenu un lutin. » Puis là, évidemment, oui, que ça, je me souviens de ça. Là. Quand tu as sorti ce film-là, oui, c'était-tu un peu le même principe? C'était pas mal DIY. Hein? C'est pas mal toi qui fais tes affaires pas mal. Hein? Non, mais ça, là, Papa est devenu un lutin, c'est pas moi partout. Non? C'est un gars qui s'appelle Dominique Adams qui a écrit et réalisé le film et qui m'a appelé en disant « J'aimerais ça que tu joues dedans. » Moi, j'ai joué dedans, j'étais payé, c'était un tournage d'une douzaine de jours en Ontario, fait que je vois là, puis le film, même pendant le tournage, s'est avéré une catastrophe. Il y a plein d'anecdotes là-dedans qui sont épouvantables. Tu peux m'en raconter si tu veux. Ça a été vraiment ça. Mais non, c'est bon, j'ose pas parce que c'est triste pour ce gars-là, mais faut comprendre qu'il n'y a aucun lien entre ce film-là et Livré chez vous, parce que moi, j'ai pas écrit « Papa est devenu lutin », ça a été réalisé par Dominique Adams. J'ai juste joué dans ce film-là et ça s'est avéré être très mauvais. Et je comprends le pattern de Vincent Guzzo était de dire de toute façon, ça fait pour enfants, on prend une chance, on essaye, le gars est courageux, il a mis son argent là-dedans. Puis ça, c'est très noble d'avoir encouragé tout ça. Ouais, je le sais. Puis avec nos yeux de critique qui est habitué de voir du Pixar, je comprends là, tu sais, que c'est. Par contre, moi j'ai connu, en fait, je connais quelqu'un dont les enfants sont. Puis ils ont trouvé ça super bon. Écoute, les enfants m'ont dit oh, on a ri, on a trouvé ça super drôle. OK. Ben tu vois, donc il a atteint son but et Vincent avait raison dans ce sens-là, mais je tiens vraiment à le dire. Ouais, ça n'a aucun rapport. Beaucoup amalgament Livré chez vous sans contact avec ça, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est un tout autre produit, c'est un film à sketch. Puis, tu sais, jamais Michel Courtemanche, Anne Casabonne, Luc Sonny, France Castel auraient embarqué dans un scénario comme celui. Ça prenait juste moi pour dire oui à une folie comme Papa est devenu un lutin, mais il a fallu qu'il lise le scénario, qu'il trouve ça bon. Puis même la SODEC aussi, il faut comprendre que j'ai été financé par la SODEC aussi, donc ils ont passé à travers le scénario aussi. C'est pas du tout la même game. Moi, je l'ai pas vu, là, le lutin, mais moi, j'ai vu des extraits de Livré chez vous sans contact, c'est le nom du film. Mm-hmm. Puis c'est vraiment bien fait, là. Puis c'est vraiment bon. Les acteurs, d'ailleurs, comme tu dis, Michel Courtemanche, Luc Sonnet, on oublie, là. Il y a vraiment un paquet de monde là-dedans. Il faut quand même qu'il embarque. Là, donc, comme tu dis, il y avait un genre d'assurance de qualité.
Oui, oui, tout à fait. Donc, puis ça, je suis persuadé que les gens vont avoir un gros fun à regarder ça. Puis ça a été écrit et tout. Puis ce qui est merveilleux, c'est que ça s'est fait en 3 mois. Puis ce qui est beau, c'est que même pour le financement, il fallait que je prouve. Tu sais, même Corbeil, qui est le présentateur officiel, a voulu voir des textes. Donc, ça a passé à travers plein de filtres. Tu sais, avant de se retrouver financé, ouais, ouais. Il a bien fallu que tout ce monde-là dise, tu sais, une compagnie comme Corbeil, qui ça donnait bien parce que, bon, c'est Corbeil, mais il fallait bien qu'ils se disent, on ne s'embarque pas dans quelque chose qui va être risible non plus. Donc, on est pas mal sûr que les gens vont avoir un gros plaisir à regarder ça. Et je sais qu'ils vont le présenter au Goudzio quand ils vont ouvrir avec les popcorns et tout, mais est-ce qu'on peut le commander, ce film-là? Parce que je pense que c'était ça aussi le concept. Là. Tu envoyais des liens, en fait, on pouvait l'acheter. Comment ça marche? Bon, on pouvait le faire avec les salles de spectacle, mais dès que ça a été acheté en distribution, okay, on a arrêté là, vous attendez. Ça. Donc, okay. Non, c'est ça, on attend. Ça va vraiment être juste en salle. Et par après, ça va aller en vente télé. Après en location. OK, parfait. Bon, maintenant, Safari. Oui. Comment ça se passe? Parce que là, tu le dis, ça n'a pas vraiment changé de propriétaire parce que c'était dans mes questions. Est-ce que tu as racheté le nom? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quand même ton idée de relancer ça de façon web? Non, c'est vraiment l'idée du propriétaire Louis Martin. OK. Qui, lui, avait ça dans la tête depuis 5 ans déjà en disant qu'il faudrait relancer ça. Puis là, il m'a appelé un jour, pendant la pandémie, tu réponds à tous les téléphones. Ah oui. Je vois Sierra que je connais pas. Je réponds, c'est Louis qui me répond. Il dit, écoute, parce que moi, j'avais écrit dans Safari à l'époque. Okay. Jamais il avait aimé ce que j'avais fait. Mais enfin, il me dit, est-ce que ça te tente qu'on relance Safari? Tu serais rédacteur en chef, tout ça. Moi, je dis oui. Puis là, je lui dis mes conditions et mes conditions correspondent à ce qu'il avait envie aussi. Moi, j'ai dit, j'aimerais ça que le magazine suive un peu le public qui était là à la base. C'est-à-dire que moi, j'étais jeune adolescent, adulte, je disais ça. Maintenant, j'ai vieilli. L'humour a changé aussi. Mmh. Et je me suis dit, ce qui serait le fun, c'est de changer un peu le look, de rendre ça un petit peu plus adulte, avec des textes qui peuvent être parfois politiques, d'opinion, toujours en étant très drôle. Mais de laisser la chance aux auteurs de pouvoir dire des choses. Et c'est ce qui se passe. On a aussi des BD, juste de la niaiserie, tu sais. Mais il y a, les auteurs ont la chance de pouvoir dire des choses qui ont à cœur aussi, tout en étant drôles. On voulait juste amener ça un petit peu plus loin. Puis la formule numérique permet de faire du vidéo aussi, ce qui est vraiment très intéressant, ce qui fait qu'on peut faire des sketchs. On peut faire des comme par exemple, on fait un jeu. Chaque mois, on va jouer un jeu de société de la compagnie Gladius, qui est québécoise. OK, oui. C'est une fierté québécoise. Et donc, François Maranda et moi, on s'installe par Zoom pour l'instant, jusqu'à temps qu'on puisse le faire en vrai. On s'installe par Zoom avec une personnalité publique et on joue un jeu de société dans la réalité pendant 45 minutes, mais on fait un montage de 8 minutes avec ça. Ce mois-ci, on joue avec Michel Courtemanche. Et évidemment, c'est un délire de niaisage hilarant, là, parce que Courtemanche, on va se le dire, là, il y a une face. Oui. On me disait ça de toi aussi. Oui, ben c'est ça. Puis, vous avez ça en commun. Maranda aussi, c'est quand même un niaiseux écart. Oui. On a eu beaucoup de plaisir, puis ça donne des beaux moments. Ce qui fait que le magazine, il faut l'imaginer un peu comme La Presse Plus, c'est-à-dire que tu fais Yep, puis parfois il y a des vidéos aussi. Fait que ça met tout ça, puis c'est gratuit en plus. Fait que c'est un grand bonheur. Mais vous avez quand même ramené une couple de trucs. Là. Je l'ai feuilleté. D'ailleurs, c'est l'édition du mois de mars. Là. C'est la première réédition. Ouais. Est-ce qu'il est sorti déjà? Parce que moi, je l'ai eu, mais est-ce que tout le monde a accès? Oui, tout le monde a accès. Oui, c'est ça. On a calé sur le... En fait, l'idéal, c'est pour l'instant, parce que le site safari.com est en construction, mais le magazine est quand même disponible sur le site. Mais l'idéal pour l'instant, c'est d'aller sur le Facebook, de cliquer « J'aime », évidemment. Parce que moi, il faut savoir, tous les jours, je regarde les « J'aime » qui montent. Ça me fait tellement plaisir. Oui. Mais et là, il y a le lien pour aller télécharger le magazine. Où vous n'avez pas besoin de télécharger. Quand vous appuyez, vous pouvez juste le feuilleter sans télécharger. Et écoute, 4 jours après le lancement, il y avait déjà 30 000 personnes qui avaient été voir le magazine. Donc, ça va vraiment très, très, très bien. Écoute, puis vous avez ramené quand même des... en fait, tu l'as dit, il y a encore des BD. Il y a Safari Jaune qui est là encore. Oui. Tu as des fausses pubs, la fameuse pub de Popsicle à la soupe Lipton. Puis tu as les compagnies qui font des vraies pubs
mais drôle, tu sais. Donc, t'as une pub de voyons, c'est les hot dogs de Valentine. Oui. C'est parce que là, je la cherche. Oui, oui, les nutritionnistes sont unanimes, c'est du fast-food. Poutine avec un hot dog. Tu sais, il y a tout ça qui revient de un peu de l'ancienne mouture. Donc, les gens seront pas perdus, mais t'as raison. Tu sais, le but, c'est pas aller chercher le kid de 10-11 ans. Là. C'est vraiment un peu pour les nostalgiques. Là. Non, puis en plus, on voulait garder un peu l'ADN pour la nostalgie, mais l'amener un petit peu plus loin. Puis aussi, l'humour a changé aussi. On peut plus dire tout ce qu'on veut sans tomber dans une énorme polémique. Alors, quand je rejoignais les gens qui étaient dedans, je leur disais, vous avez le droit de dire à peu près ce que vous voulez, mais le but n'est pas qu'on s'obstine à chaque mois avec un groupe quelconque. Ce qu'on veut, ce que je veux principalement, c'est que les gens aient du plaisir, que ça les fasse réfléchir. Mais on n'est pas là. Puis il y en a peut-être qui vont être déçus, là, des gens vraiment très, très attachés au safari un peu plus hard. Ouais. En disant, bon, ben, il n'y aura peut-être pas ça dedans parce que on le voit, là, tu sais, tout est plus. On marche sur des œufs tout le temps. Ben, c'est une question que j'avais. Avez-vous des bons avocats? Oui, ils sont très bons. Ils sont pas mûrs encore, mais je vais les faire demain en guacamole. Okay, ah, tu parles de l'avocat, oui. Non, c'est ça. Mais un zeste de citron, tu vois, c'est le fun. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est justement, je voulais pas non plus... Je veux pas aller là. Je veux que ce soit le fun. Ça peut revendiquer des choses. Ça peut être de gauche, ça peut être de droite. Tout dépend de l'auteur qui l'écrit. Mais sans... Je veux pas aller dans le... Je vais dire de... Écoute, je vais dire de quoi de... Pas d'immense, mais de... Si un auteur écrit un texte en bichant Safia Nolin, je vais dire non. Okay. Ça me tente pas, ça. Okay. Ça me tente plus. À la limite, je trouve ça drôle parce qu'il y a plein de monde, nobody, qui font ça sur Facebook à longueur de journée. Ouais. Tu sais, c'est... Allons ailleurs, parce que ça se fait beaucoup. Mais ça, ici, à Radio X, là, les attaques personnelles, là, on s'est fait dire que c'était pas correct. Ouais. Non, mais ça dépend, tu sais, c'est... Parce que je disais, si un, comme par exemple, une attaque personnelle à un colonel de l'armée qui a arrêté d'agresser des filles dans l'armée canadienne. Ouais, non, il n'y aura pas de plainte. Tu comprends? Oui, oui. C'est, ce que je veux pas, c'est le côté un peu gratuit de physique, de enfin, qu'on a un peu trop vu ces derniers temps, puis qui, au final, quand on le lit, ne nous fait pas tant rire que ça. Ben, tu sais, rire des fesses de quelqu'un, c'est pas si drôle que ça. On va s'entendre. Non, c'est ça. Pas grand-chose. C'est de l'humour un peu première année. C'est ça, exactement. Fait que je voulais aller juste un petit peu plus loin que ça. Puis je trouve ça correct d'aller un petit peu plus loin que ça. Mais en même temps, là, je suis dans ta... Puis ça, je trouve ça très drôle, les nouvelles du futur. Celle-là, j'avoue qu'elle m'a bien fait rire. Je lis un extrait, là. Après 37 ans de confinement, François Legault réclame une conférence de presse. J'avoue, ça n'a pas été si bien que ça, finalement. Tu sais, ça, c'est drôle, mais je comprends que, tu sais, François Legault, peut-être qu'il ne trouvera pas drôle, mais ça reste des hommes politiques. Tu sais, maintenant, il faut être capable un peu de rire quand même de certains gens, mais dans certains angles. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, ce gag-là, en plus. Très drôle. Mais ce que je veux dire, c'est mais tu comprends qu'il ne peut pas s'obstiner tant que ça parce que si on exagère au bout ce qui est en train d'arriver, parce qu'il nous repousse sans arrêt, là, tu sais, je veux dire, ça va être telle date, tu sais, puis telle date, il nous enferme, il nous libère. Tu sais, fait que si tu extrapoles cette logique-là, on en a encore pour 10 ans. C'est ce qui va arriver, mais c'est de l'exagération. Mais on a un petit peu ce feeling-là, surtout à Montréal, parce que ça finit. Ça finit plus ici, mais puis écoute, c'est sûr que moi, si je parle en tant que Montréalais, je suis plus capable. Là, tu sais, ben écoute, même moi, je suis même pas à Montréal, je suis plus capable, fait qu'imagine. Je suis à bout d'être enfermé, j'ai juste le goût de déménager à Québec, qui est une ville merveilleuse d'ailleurs. mais ici, c'est ça, il y a quelque chose de... C'est comme si on avait l'impression... on n'allait jamais en sortir. Je sais pas, je peux même pas donner. J'ose même plus me faire d'idée de. Moi non de plus. Date. Ça fait moins mal, hein? Ben oui, mais en même temps, on n'est pas capable de faire autrement. Tu sais, on se donne tout le temps un genre de. Tu sais, comme là, je me dis. En tout cas, moi, non, mon Dieu, on tombe dans les confidences. Moi, je me dis, pour pas tomber dans une dépression, ça va être. Cet été. Genre, même pas, je me sens 20. Imagine comment je suis. Je suis un gars positif. Je me dis. Comme les cinémas avec les popcorns. Bon, je discute souvent avec Vincent Guzzo. Tu sais, j'y parle de Vincent, qui est un homme charmant et le fun en passant. Là, vraiment drôle. Là, on se dit, OK, bien,
ben, mi-avril, ça va être correct. On va pouvoir manger du popcorn dans une salle. Mais tout le temps vers le non, parce que là, il y a les variants, là, les affaires. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, mais fait que on est... Parce qu'il faut comprendre, peux-tu me raconter autre chose? On a tout du temps. Ah, tu as du temps. Vas-y, on jase. OK. Parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose de vraiment, absolument, qui n'a jamais été fait nulle part. C'est que quand le film va sortir au cinéma, dans les cinémas Gozo, ouais, le spectacle de Corbeil et Miranda va être présenté en parallèle dans une salle de cinéma à côté. OK. Ce qui fait que c'est la première fois, ça ne s'est jamais vu. Là. C'est-à-dire que pendant un mois, on va faire ça. Donc, on va jouer le show. On pourra acheter les deux, c'est ça? Comme le film et le spectacle? Les deux. Exactement. Tu peux acheter le billet de show puis avoir 10% pour aller voir le spectacle live. On n'aurait jamais été aussi en 3D. Oui, mais, mais ouais, l'idée est excellente en passant. Hein. C'est excellent. Surtout que votre film, c'est votre duo. Tu sais, je veux dire, c'est, ça reste dans le même univers. Là. Oui, puis il y a des personnages du film qui sont dans le show. Fait que c'est vraiment le fun. C'est ça, ouais. Mais j'ai très hâte que les gens le voient. J'ai bien hâte que vous le voyez aussi. Anne Casabonne est hallucinante dans le film. Luxonné. Ils ont tous l'air très bons. France Castel a l'air très drôle aussi. Grande générosité en pleine pandémie, l'été. Non, ça a été extraordinaire. Ben écoute, je vais te souhaiter vraiment le meilleur. Je trouve que t'es vraiment un gars débrouillard. T'as toujours 1000 projets, puis j'espère que tout va pouvoir se concrétiser. On va aller voir ça, ce film-là, puis on va aller voir ça, ce magazine-là. Comment on fait d'ailleurs pour Safari? Il n'y a pas de prix, hein? Présentement, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors moi, tu sais, on fait une entrevue, puis il y a des gens qui nous écoutent. Pendant qu'on nous écoute, ils peuvent aller sur Facebook, taper Safari. Je vous laisse le temps. Taper Safari. J'y vais moi-même. Voilà, ça. C'est vrai. Et là, vous allez voir, tu sais, il y a le fameux j'aime. Il y a un j'aime. Oh, ouais, oui, oui, oui. Tu cliques là-dessus. Là, êtes-vous rendu? Tout le monde est rendu? Oui, on est rendu. Là, tu cliques sur j'aime. Parce que c'est le fun. Parce que moi, je vais aller voir après, tu sais, comment ça a augmenté. On est près de 13 000. Non, mais c'est parce qu'on est près de 13 000. Je veux atteindre le 13 000. Alors, si les gens de Radio X veulent m'aider, atteignons le 13 000 dans les 5 prochaines minutes. Ben, écoute, t'es à 12 700, là. Hey, c'est pas comme si c'était beaucoup, là. On peut l'atteindre, là. Oh, oui, oui, oui. Puis là, t'as, en haut de page, t'as le lien pour le magazine. Tu cliques là-dessus, puis tu l'as. C'est fini. Et ça va être puis toujours comme ça? Est-ce que c'est juste pour le premier numéro ou c'est le but, c'est de le rendre accessible à tous comme ça? C'est gratuit à vie. Okay. Et en plus, sur safari.com, les magazines vont être là, accumulés, puis tu vas pouvoir aller fouiller là-dedans autant que tu veux. OK. Puis c'est vraiment le fun. Puis aller voir aussi le sketch de Corbeil et Miranda ce mois-ci dans le magazine, justement. C'est François Legault qui est sur le party. Puis qui fête le premier anniversaire de la pandémie avec son chauffeur. On est bien du fun à tourner ça. Je vous encourage à aller voir ça. Merci beaucoup, Jean-Marie Corbeil. Je te souhaite vraiment sincèrement tout le succès que tu mérites parce que je sais que tu travailles très fort. Merci d'avoir passé toutes ces minutes avec nous. Hey, ben, merci, ça me touche beaucoup. Vous m'ayez reçu aussi. Merci beaucoup. Merci. Salut, bye. 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 Le pouvoir de la radio, écoute. Ça augmente. Je fais un rafraîchissement à chaque seconde de la page. Ça fait rire. Ça augmente? Ça augmente. Allez-y donc, le liker, ça fait rire. En plus, c'est de Québec, ça. Je pensais qu'il avait racheté ça. Non, non. Non. C'est encore le même propriétaire. C'est Louis, encore à Québec. C'est moi, ce qui m'a surpris quand je suis allé faire mes petites recherches tantôt, c'est que le magazine Safari n'a pas été distribué à Montréal avant 2001. Ça existait depuis 97. Moi, je me rendais pas compte de ça parce que je vis entre les deux, si tu veux, là, dans la région des Bois-Francs. Oui. Puis nous autres, on l'avait en kiosque. Là. T'sais, moi, quand j'étais jeune, je me souviens tirer sa manche à ma mère à l'épicerie. Je me disais, tiens, ça fait rien. Je me disais, tiens, ça fait rien. Fait que, une fois de temps en temps, pour me fermer à elle disait oui. Mais. C'est pas tout le temps. Hein? Mais j'avais pas conscience que c'était Québec, tu comprends? Puis que. Mais je savais pas, le magazine Safari a été distribué à Montréal à partir de 2001. Donc, de 1987 à 2001, c'était vraiment un produit de Québec. C'est un produit de chez nous. Plus on parle avec des humoristes, plus on parle d'humour, je me rends compte que Québec est quand même un terrain très fertile. Pour l'humour? Oui. Puis, il a fait quand même beaucoup... Alors que j'ai toujours cru que c'était Montréal, moi, comme ben, l'épicentre. C'est oui, sûr que ça l'est plus, là. Mais il y en a beaucoup qui viennent d'ici. Il y a beaucoup d'affaires, oui, oui. Puis, tu sais, ben là, c'est maintenant le Comédia, mais le Grand Rire, là, tu sais, au début, à Montréal, le monde riait de ça. C'est comme, ben, voyons, ils font un festival d'humour à Québec. Voyons, regarde-là le village qui s'excite. Mais Tabouin m'a dit, dans les dernières années. Ça coûte, là. Il n'y avait rien à envier à Montréal, là.
Le festival, c'était... Bon, puis si vous parlez du propriétaire du festival, ça, c'est une autre histoire encore. Là. Puis tu sais, il a quand même pris, je trouve, très soin de nous dire qu'il n'y aura pas d'attaque gratuite. Puis que, mais quand même, il y a une couple de petites affaires qui grincent. Là. Il y a une critique de COVID pas pire quand même. Là. C'est... Vous irez voir ça. Bref, sur le Facebook de Safarir. Puis, regarde, donnez-y un petit like. Là. Ça va être le fun. Ben oui. Hein, on va lui montrer qu'on est capable de monter ça à 13 000. Sa page, il en manque. J'ai rafraîchi, moi aussi. C'est vrai que ça a monté. Là. On a monté de 100 juste en se parlant là, dans les dernières minutes. Là. Ben oui, tu vois. On était. Oui, exactement. Donc, lâchez pas. Allez liker la page de Safarir. Puis Jean-Marie va vous trouver extraordinaire.